Bonjour à tous les Gémeaux, comment allez-vous, chers Gémeaux? Je vais vous donner l'horoscope pour avril 2014 pour le signe du Gémeaux. Eh bien, votre maître de votre signe, c'est Mercure. Et Mercure, c'est la planète associée avec la communication, avec les informations et tout ça. Et ça va faire un conjoint avec Uranus. Uranus, c'est la planète qui veut nous libérer, c'est la planète de l'intuition. Donc les deux ensemble, ça veut dire des nouvelles idées, ça veut dire des nouvelles infos, de nouvelles informations qui est disponible là-bas. Donc c'est très important parce que si on gagne plus d'informations en ce qui concerne pour vous les Gémeaux, c'est votre 11e maison. Ça veut dire quoi? Nos amis. 11e maison, c'est aussi nos projets pour le futur, nos plans pour le futur et nos aspirations. Donc, les Gémeaux vont gagner beaucoup d'informations, de nouvelles informations en ce qui concerne les aspirations, les amis et tout ça. Et ça veut dire qu'on peut faire un choix plus profond, un choix qui est plus facile à faire, parce que si on a toutes les infos, on peut faire des choix. Donc peut-être des nouvelles amies, peut-être des nouvelles aspirations qui maintenant on sait, ah, c'est ça que je veux. Donc ça, c'est possible pour les Gémeaux et je pense que c'est un mois très agréable pour, normalement, pour les Gémeaux. Et voilà, si vous voulez une consultation privée, c'est possible. Ici, tout l'info. Je vous souhaite beaucoup de succès pour avril et à la prochaine. Au revoir.